il ne faudrait pas au maître de laisser la pulpe de ses doigts caresser les tiges d'Oya. Ça pique comme le sel. Ça prend là, au fond, bien au fond, dedans le ventre. Voir la mer. Là, maintenant. Se planter devant, ne plus penser. Les eaux grises, le vent froid, les chaussures dans la laisse, les cheveux humides qui collent au visage et volettent. Ça me fait penser, sans lien aucun, à une nuit où nous étions si jeunes, si enlacés sur la plage, si droits dans nos baskets. Et pareil à ce jour, les vagues vives venaient pourtant mourir à nos pieds.